Bonjour Monsieur Lozier. Hello. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Donc, est-ce que vous pouvez répondre à quelques questions et nous expliquer en quoi consiste votre métier en tant qu'agent immobilier et faire une présentation de ce que vous faites? Okay. Bon, moi, je me spécialise surtout dans les propriétés résidentielles. Je fais du commercial à l'occasion, mais j'ai toujours été dans le résidentiel, hein, que ce soit condo, maison, dans le sud-est de la Floride. Je ne vais pas à Naples, mais je couvre quand même une bonne région. Je vais de South Beach jusqu'à West Palm Beach. Alors, je fais quand même du gros volume. Et puis, je connais la plupart des régions, quand, que ce soit condo, maison, les prix, je couvre une bonne partie du sud-est. Et vous vendez plutôt des maisons de quel type, qui vont de quel prix à ben, quand le marché était vraiment au plus bas, il y a à peu près un an, les prix ont remonté d'un 20% à peu près là, par rapport à il y a un an et demi. Mais j'en vendais, je pouvais en vendre à 50, 60, 75 000, on en vendait beaucoup. Mais ça va jusqu'à 2 points, j'ai eu une vente à 2,4 millions il y a 2 semaines. Alors, mais moi, que ce soit 100 000 $ ou 2 millions, tout le monde est traité de la même façon. D'accord. Et est-ce qu'avec l'essor d'Internet, votre activité en a pris un coup? Est-ce que les clients se dirigent plus vers Internet maintenant pour chercher des maisons? Vous avez toujours gardé votre parc de clientèle? Oui, ben, l'Internet, ça facilite, mais il faut vraiment… ça donne une idée par Internet, mais c'est pas pareil comme voir les propriétés sur place. Alors, on peut regarder par Internet, mais quand on va… On va les voir en personne. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas sur l'Internet. Comme exemple, des fois, on va regarder sur Internet et puis les photos, c'est idéal, c'est super beau. Mais le problème en Floride, c'est qu'on peut traverser une rue et puis on tombe dans un quartier qui est plus ou moins désirable. Alors, ça peut être beau à l'extérieur, mais quand on arrive sur place, c'est pas pareil. Ou des fois, des petites choses, les photos, c'est beau, mais ça ne montre pas tous les détails. Des fois, on voit que c'est beau, mais quand on arrive sur place, on voit que les détails, ça n'a pas été pris soin. Alors, on peut voir la différence quand c'est un condo qui a été bien aménagé ou pas. Très bien. Ouais. Merci beaucoup. OK, merci. Monsieur Lozier, je constate que vous avez de nombreux prix sur votre bureau. Ils correspondent à quoi? Ça, c'est pour la performance en 2012, en fait, d'agent immobilier. Avec la compagnie Keller Williams, j'ai été quatrième au pays pour les transactions, le nombre de transactions et puis le nombre de volume en fait de vente. Et puis j'ai été quatrième, classé quatrième. Alors, c'est pas premier, mais c'est loin d'être le dernier. Et mes félicitations. Merci. Merci, M. Lozier, d'avoir répondu à mes questions. Merci. Au revoir. What?